bonjour, voilà, je rencontre un petit problème. Voilà, je travaille encore, je suis technicien de surface dans un grand magasin. Et l'autre jour, il fallait que je remplisse une attestation qui est rogatoire pour se déplacer. D'ailleurs, ça me fait rire parce que comme je dépense moins de sous avec le confinement, il y a ma banque qui m'a appelé pour me proposer de faire des placements. Et il a fallu que je remplisse une attestation de déplacement pour aller faire mes placements. Hein. Donc je remplis mon attestation, mais c'est là où je suis embêté. Parce que je vais au boulot, en rentrant, je passe faire des courses pour mes parents qui sont confinés rapport au confinement. Avant, je voulais aller voir mon docteur pour qu'il me renouvelle mon ordonnance. Parce que je fais du cholestérol suite à mon infarctus de la cocarde. Et je voulais faire tout ça à pied pour entretenir ma forme physique. Bon ben... Je coche quoi ? Autre chose. L'autre jour, je discute avec ma copine. Ouais, j'ai une copine. Et elle me dit, moi le masque, c'est pas élégant. Alors je comprends plus, faut faire quoi ? Faut mettre les gants, faut pas mettre les gants avec le max ? Et si c'est pas le max élégant, faut que je fais quoi moi ? Et puis il y a aussi les infos, parce que moi je saisis pas tout. Alors, tant qu'on n'a pas attrapé le Covid, on n'est pas immunisé. Tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Parce qu'on est confiné pour pas attraper le Covid. Mais si le 11 mai, on déconfine, du coup, on va l'attraper et on sera immunisé. Du coup, ils vont nous tester pour voir si on est immunisé et du coup, on sera plus confiné. Mais si on vient de l'attraper, on va nous confiner pour pas leur filer à ceux qui sont pas immunisés, vu qu'ils seront plus confinés. C'est compliqué, hein. Alors après, dans les infos, t'as Monsieur Trump qui cause, l'Américain. Alors lui, il dit qu'il faut boire de l'eau de Tavel. Il y a longtemps que je fais ça, moi. Mais moi, je fais comme ils disent à la télé. Je fais un régime dissocié. Je bois de l'eau de vie et du vin de Tavel. Et puis t'as les Allemands avec Madame Angela. Alors elle, le virus, elle l'a bloqué à la frontière. Pas de corona ici, ils viennent que de la bière allemande là-bas. En tout cas, je vais te dire, moi, je serai du gouvernement et puis de Monsieur Macron. Il y a longtemps que je ferai du tri à la poste. Non, pas à la poste, au courrier. Mais ils sont tous d'accord pour dire que cette épidémie, elle est due à plusieurs facteurs. C'est facile, hein. Il n'y a qu'à virer tous les facteurs qui sont en cause. Hein. Mais ils le disent, il faut éliminer les facteurs à risque. Eh ben, on les fout dehors et puis c'est tout. Bon, allez, faut que j'y va parce que faut que j'aille aider ma collègue. Elle est au nettoyage des caddies du supermarché. Elle est rigolote, hein. Elle me fait rire. En plus, elle est bretonne. Alors, je l'appelle ma marée noire. Bah oui, hein, c'est la Momo Kadi. Bon, allez, soyez patients, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Hein. Allez, ciao.